Tu aimerais que l'école soit un peu plus amusante? Reste avec nous, le cours commence. Oh, Madame Appleby est super sévère. Je me demande si elle verra que je grignote. Qu'est-ce que tu fabriques, Brian? Est-ce que vous pouvez tous vous concentrer, s'il vous plaît? Brian, arrête ça! Oh là là, elle voit tout! Bon, elle s'est enfin calmée. J'ai bien besoin d'un petit coup de sucre. Facile et attrapé. Tu penses être discret, jeune homme? C'est sans espoir. J'aurai faim jusqu'à la fin de mes jours. À moins que... Tu vois ce papier millimétré? Utilise une règle pour en couper un bout. Puis retire le papier en trop. Dépose de la colle chaude sur le bord à l'endroit où tu as coupé. Et colle une bande de papier dessus pour attacher les feuilles ensemble. Fais cela sur les trois côtés. Ensuite, dépose d'autres points de colle et appose une feuille de papier dessus. Maintenant, glisse ton plateau de bonbons à l'intérieur. La voie est libre. Au bon moment, prends une petite bouchée. J'ouvre juste mon cahier, madame. Pourquoi est-ce que je n'avais pas pensé à ça plus tôt? Quoi? Où est mon téléphone? Contrôle aujourd'hui? Oh, je dois réviser. Je n'arrive pas à croire que je me suis encore assoupi. 2 moins 7. Qu'on additionne à la circonférence du cercle B. Je ne sais pas si je vais réussir. Est-ce que je vais me souvenir de tous ces nombres? J'arrive à peine à me souvenir de ce que j'écris. Oh, attends une seconde. Est-ce que j'ose? Oh, carrément. Tu as besoin d'un petit coup de pouce pour un contrôle. Fais 2 fentes dans ta gomme et retire le bloc. Puis recouvre la partie visible de colle. Colle-y ton mini anti-sèche. Et referme la gomme. Phew, juste à temps. Hey, on dirait que je suis pas le seul à stresser de la colle. Hey, quelqu'un a demandé des réponses? Wow! Oui, s'il vous plaît. Ce contrôle va être super simple. Respire, mec. Wow! Cette robe sera parfaite pour la soirée. Et elle est en solde! Oh, mes vêtements sont super vieux et moches. Pourquoi est-ce que je peux pas m'habiller comme elle? Je me demande si j'ai assez pour cette robe. Voyons là-dedans. Je suis un peu juste. Voilà. Il n'y a rien qui se cache là-dedans? Qu'est-ce que ça donne? 150$ moins 20%. Je ferais mieux de l'écrire. Ok. 150$ moins 20%. Est-ce que je multiplie ou je divise? Ne t'inquiète pas, Lana. Calculer des pourcentages peut donner mal à la tête. Ah, je crois que j'y suis presque. Oh, je déteste les maths. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Il s'est passé que je suis la personne la plus bête du monde. Hey, tu veux voir une astuce sympa? Tu peux calculer comme ça. Il suffit de multiplier les 2 premiers nombres. 15 et 20, tu vois? Donc pour 20% de 150$, il faut juste enlever 30. 120, tu vois? Je dois aller au centre commercial tout de suite. Hé,
Tu n'as pas besoin de ton argent ? Petite séance de révision après l'école, hein ? Le concierge ? L'odeur d'ammoniac me donne toujours envie d'éternuer. Presque fini. Oups. Ma chérie, laisse-moi t'aider. Hé, hey, qu'est-ce que vous faites? Oh non. Les joies d'être gauchère. Qu'est-ce que je fais maintenant? Des gants. Ils vont résoudre mon problème. Tout simplement, découpe des gants en latex en diagonale. Ensuite, glisse-les autour de ton annulaire et de ton auriculaire. Pas besoin de ça. Oh, désolé pour ça. Maintenant, tu n'auras plus d'encre sur les mains. C'est le rêve de tout gaucher. Tu sais qu'ils ne sont pas autorisés dans la classe. Direction ton casier. Oh, Brian? Tu n'as pas de téléphone. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Oh non, vous m'avez eu. Je reviens. Opération infiltration de téléphone en route. On dirait que la voie est libre. J'ai réussi à passer la porte. Hein? Donc, comme je le disais... Tu peux les rappeler plus tard. Je ne suis vraiment pas discret. Hé, hey, c'est une gourde de jus? Je me demande si je pourrais juste... Oui! Tu veux infiltrer ton téléphone? Retire la coque et mets-la sur un grand sac plastique. Ensuite, détourne-la avec un feutre. Quand c'est fait, enlève la coque et découpe le plastique. Suis bien le trait. Pour garder les deux morceaux de plastique ensemble, plie un bout de papier sulfurisé sur le bord et appuie avec un fer à lisser. Ensuite, prends la tête de la gourde et retire le bout de plastique à l'intérieur. Tourne-le sur le côté et dépose de la colle chaude dessus. Colle le morceau sur le plastique. Maintenant, cela ressemble à une gourde de jus. Remplis-la. Quand elle est pleine, revisse le bouchon. Remets ton téléphone dans sa coque et fais couler de la colle chaude dessus. Ensuite, colle la gourde sur la coque. Oh, pardon madame. Brian! Quoi? C'est du jus, vous voyez? Oh, ok, le jus ça va. Super! Ah, un autre cours ennuyant. Madame Appleby n'arrête jamais de parler. Je vous surveille. C'est le moment parfait pour un petit somme. Pourquoi Brian est-il toujours si fatigué? Hein? Betty, stop! Tu peux me donner 5 minutes? Oh! Qu'est-ce que c'est, du ciment? Oh! Oh! Je veux juste faire une sieste. Bonne nuit, Brian. Betty, non! Allô? Oh mon Dieu, tu ne vas pas y croire. Je viens de rencontrer mon futur mari. Enfin. Hé, hey, il y a un trou là-dedans. Ah ah! Oh! Tu veux un oreiller? Découpe une fente dans ton pull comme ça. Ensuite, fais rentrer un peu de rembourrage. N'oublie pas de recoudre le trou. Coupe le fil... Et boum! Je te retrouve après cette petite sieste. Ah.
Ok, mes cheveux sont bien? Ils sentent bon? Non, y a pas moyen. Pas pour aujourd'hui. Comment est-ce arrivé là? Ça peut le faire. Oh oui, je suis bien. Je pense que je suis prêt. Oh, 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 qu'est-ce qui s'est passé avec ces crayons? Je tombe! Oh, ma tête! Qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai vraiment pas de bol. Satané crayon de couleur. Et attends une minute. Oui! Pour recycler un t-shirt déchiré, dessine un rectangle à l'aide d'un cadre. Et découpe-le. Pose le tissu à l'arrière du cadre et bloque-le. Utilise la poche pour ranger tes crayons. Place-le n'importe où pour y accéder facilement. Habile, non? Tu as trouvé cette vidéo utile? Partage ces astuces avec tes potes. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne 1, 2, 3 Go Boys.